mission grandement menée. Hein. C'était pas très facile, mais bon, il y avait moyen qu'on arrive à compliquer encore la tâche. Je suppose que comme il y a trois niveaux, c'est les trois niveaux de difficulté. La première, c'est le niveau fastoche. Je sais plus comment ça va, les niveaux de difficulté. Je sais qu'il y a maître, mais les deux avant, je sais pas. Recrue. Je pense que quand on arrive au niveau 3, normalement, je suis en mode, je suis en maître. C'était quelle évacuation d'Iranie? Je vais juste regarder c'est quoi les autres modes, en vrai. Parce que je me rappelle plus. Il y a trois escales. Des fois, il y en a cinq, mais je suppose que dans les trois, ça augmente dans l'intelligence artificielle aussi. Mais moi, je trouve qu'elle n'est pas terrible, l'intelligence artificielle. Des fois, on fait des choses en ligne, elle ne réagit pas. Ils te voient de loin, ils arrivent, ils courent, ils te voient, ils, je sais pas, ils sont à 50 mètres, ils ne te voient pas, les mecs. Alors que tu es vraiment en train de le viser. Ça, c'est un peu ridicule, quoi. Donc là, je fais une mission normale. Quand je vais rentrer dans une arrivée, jouer, vous voyez, il y a recrue professionnel maître. Recrue professionnel maître. Les instructions de l'IA sont activées avec la valeur de la Recrue. Oui. Et voilà ça. Ok. Ok. Expérimenter, c'est s'amuser. Je vais avec les cibles exposer des choses, et de toute façon, on essaie de semer le chaos, courir, se cacher, regarder ce qui se passe, puis la penser. Sauvegarde illimitée, aide d'intrigue sont disponibles, câble sont sur le sécurité, garde mal nombreux, garde indulgent, plus d'objets sont légaux à transporter, les plus de sommes associés qu'au son. Professionnel, le monde a ça sérieux, vous vous préparez, vous vous exécutez, vous vous échappez, vous pouvez toujours consulter sur votre agent de liaison pour vous donner des informations sur l'adresse de votre mission. Sauvegarde limitée, les aides intrigues sont disponibles, les caméras sont activées, les caméras alertent, les guerres civiles activées, les guerres remarquées, les combats sont difficiles mais justes. Et alors, maître, vous êtes l'assassin ultime, aucun challenge impossible, vous avez besoin d'un avenir le plus difficile possible, en solitaire. Unique sauvegarde par mission, les aides intrigues ne sont pas disponibles. Caméras plus nombreuses, guerres plus nombreuses, combats sans pitié exigeants, les costumes plus illuminés de manière sanglante ne peuvent pas être utilisés. Ça, c'est moi qui lui avais dit de faire ça. J'avais écrit un email et j'avais dit. C'est pas logique que quand on tire sur un mec, on peut ramasser son costume et le mettre. Parce qu'il devrait avoir des taches, des trous, des choses comme ça. Parce que j'avais envoyé des idées. Je l'ai encore, le fichier. Dans mon article man. Ce que j'ai reproché dans Blood Money ou un précédent. Je l'ai écrit, en fait. Alors, maintenant, je crois que j'ai plus l'email parce que je sais pas avec quel. Je sais pas, peut-être que je l'ai encore, mais. Est-ce que j'avais écrit mon ancien compte Skynet que j'avais avant? Et j'ai fait cette adresse-là. Mais il avait rajouté des choses. Qu'est-ce qu'il a rajouté dans ce que je lui demandais? Ben, lire le journal, faire comme si je bossais. Enfin, faire des choses pour que le mec il passe, quoi, pas qu'il te remarque. Mais je trouve pas que c'est très bien fait la façon dont c'est fait. Et puis alors, ne pas pouvoir mettre les tenues des gens qui ont été touchés, par exemple. Mais il a retiré beaucoup de choses. J'aurais demandé de remettre aussi les Night Vision, parce qu'il me semble que ça, il m'avait retiré dans le 4. Ou dans le 5, je sais plus. Mais une chose qui me dérange, c'est que. Quand on joue dans ce plus ça, j'ai expliqué. On coupe les lumières, ben, on a un détecteur de luminosité. Comme ici, j'en ai un pour le soleil, imaginons. Mais ça compte en fait dans les splitter scène. L'obscurité fait qu'il ne te voit pas. Maintenant, il faut savoir bien régler son écran pour que ce soit réaliste. Il y a des jeux qui le permettent, des jeux qui demandent lorsqu'on lance la première fois de bien régler la lumière, que le texte ne soit pas visible et rendre l'atmosphère réaliste. Dans ce jeu-là, il n'y a pas ça. Je sais qu'on peut couper casser de lumière. Mais je ne sais pas si l'intelligence, il le prend en compte. Bon. Quel est le plus nombreux combats sur Pitch Exigeant, les causes de PG, mais de manière secondaire. Les PG sont très attentifs et font rien. Ben, voilà. Ça, c'est les trois modes. Donc, je suppose que quand je viens dans Défi, je vais revenir où j'étais bombé. Imaginez-vous d'être ici et d'avoir toutes les maps, tous les jeux depuis le 1. Avoir tout. Toute l'histoire, quoi. Au fur et à mesure. C'est ce qu'ils avaient fait un peu dans le 3, hein. Ils avaient refait des flashbacks des anciennes missions, ils avaient refait. Ben, ils pourraient refaire ça. Récupérer maintenant la première mission à l'hôpital, les autres, les réaméliorer graphiquement, texturellement. Et voilà. Et puis ici, on a toute l'histoire, quoi. Même que tu commences le jeu, tu n'as pas les autres, tu connais toute l'histoire, en fait. Ce serait génial. Ce serait le rêve, en fait. Dans les anciens jeux, souvent, tu es victime avec le sniper.
Là, c'est plus le cas. Alors, même dans le 1, il n'y avait pas le sniper du tout, puis ils l'ont rajouté dans le 2. Là, maintenant, j'ai débloqué dans une mission. Hein. J'ai débloqué en débloquant toutes ces missions-là. Je savais pas que ça rapportait des objets. Et par hasard, j'ai découvert, oh, boum, j'ai gagné. C'était là. Je vais vous montrer. Ici, voilà. Donc, je vais dans des objets. Il faut alors aller dans le chantier de construction pour avoir le sniper. Même si je vais dans le fusil. Parce qu'il y a des... Voilà. Fusil d'assaut. Précision. Maintenant, je peux l'avoir. Mais pas du début. Il faut aller à un endroit, le ramasser. Avant, c'était comme ça. Par contre, il y a des autres endroits. Maintenant, par exemple, là, je peux pas avoir de certaines armes. Par contre, ici, non plus. Par contre, celui-là, oui. Mais normalement, il indique, il met une flèche sniper. Mais là, il n'a pas mis les armes. Voilà, là, j'ai tout. Mais ça dépend, il faut savoir débloquer. Donc, il faut découvrir des endroits pour avoir accès à certaines choses. Et en jouant à ces missions-là, en fait, on débloque des trucs. Et ça, je savais pas. C'est en jouant comme ça par hasard que j'ai découvert. Donc maintenant je prépare ma mission. Plutôt commencer d'ici. Qu'est-ce que je pourrais embarquer? Pas vraiment quoi que ce soit qui m'intéresse là-dedans. La matraque, allez, ça peut servir. Mais... Dans cette mission-là, vu qu'on peut pas vraiment se revoir, ni tirer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ça, la matraque, elle est microscopique. L'arme, celui-ci. Et je commence directement dans l'usine pour pas marcher des kilomètres avec elle. Je dois quoi? Si vous changez de déguisement, vous échouerez. Ça va être chaud, yes. Parce que si je peux pas... Ah! Alors il y a une solution. C'est que je dois être directement habillé en garde du corps. Mais je l'ai pas. J'ai juste cette tenue-là. Pas de la petite équipement, regardez. Je sais pas comment je vais faire si je sais pas me changer de costume. Bon, je vais le piéger, je vais le monter, je vais les assommer. On va trouver, on n'a pas le choix. Donc maintenant que je suis à la troisième partie de la mission, je suppose que maintenant je suis en mode maître, les trois trucs maître, quoi. Bon, non, là c'est vraiment dur en fait. Et même si c'est dur, c'est pas si dur que ça. Hein. Parce qu'il y a encore quand même des petits bugs, le bug, le joueur. Je sais pas, moi ce qui m'ennuie surtout, c'est les civils, ils réagissent pas. C'est vrai qu'ils aient appelé la force, mais ça pourrait être beaucoup mieux en fait. Moi j'imagine des choses beaucoup mieux que ça. Enfin, j'espère qu'ils font ça à la fois pour Splinter Cell, pour Stricon, d'autres jeux qui ont été sortis en amont, comme on peut dire, comme Assassin's Creed, par toutes les maps, quoi. Un seul jeu, il y a tout. On a acheté de la DLC à la fin. Ça serait un rêve de protection. Maintenant, il y a deux gars, après, ne s'écoute pas. Et quand même, il ne marche pas. Mais... Voilà, il m'a repéré direct. Il m'a repéré direct. Pourtant, je suis censé être infiltré, être reconnu. Rien du tout.